Donc on se retrouve maintenant pour faire le montage du récepteur dans le Lantus de chez Multiplex. Donc on va aussi prévoir la batterie qui est une 3S 2600 mAh qui va se placer donc ici. Et le récepteur qui va être plus ou moins par ici. Voilà. En gros, ça sera un petit peu comme ça. On va donc déjà maintenant préparer le récepteur. Donc on va les prendre juste. Je vais juste lui prendre quelques petites pousses. Je ne sais juste pas laquelle est la plus adaptée. C'est celle-ci. Donc on va. Pour les récepteurs assist, c'est livré toujours avec deux ou trois mousses. 3M, combien de sous. C'est des mousses anti. Qui absorbent un petit peu les vibrations, donc ça je vous conseille vivement de mettre, c'est même recommandé. Ensuite on va brancher un petit peu tous les cerveaux et puis on va voir un petit peu après comment ça fonctionne sur la Jetty. Donc on va déjà prendre la Jetty. Protection. Voilà ce que je fais, j'allume juste la radio simplement pour créer un nouveau modèle. Donc je vais essayer de vous le faire en direct. Donc on se retrouve tout de suite, on passe sur la radio en même temps que le branchement sur le récepteur. Donc voilà, on se retrouve sur la Jetty. Donc là ça sera donc pour finir sur la DC24 donc de chez Jetty. On va donc peut-être juste vous zoomer un tout petit peu comme ça vous voyez mieux. Tac. Voilà, donc on va commencer par aller dans modèle, nouveau modèle. Alors on va vite lui mettre un nom, donc le Lantus. Lantus, on fait OK. Juste zoomer comme ça vous voyez un petit peu quand même les bouton, voilà. Le type, ben c'est un avion. Ensuite, c'est le dimanche, ça on s'en fiche un petit peu. Celui-là, hop. Ensuite, type d'aile, donc il a deux volets, deux ailerons. Une profondeur, une dérive, ça c'est normal. Et tout le reste là, on laisse suivant. Ensuite, voilà les fonctions qu'il va y avoir. Donc, aileron, profondeur, direction, gaz et volet. Pour le moment, c'est tout. Si vous auriez l'option de mettre le train rentrant ou le crochet de remorquage, c'est ici que vous devriez faire plus pour ajouter des nouvelles fonctions. Mais dans ce sens-là, tout est bon. Les ailerons, la profondeur, ici, les ailerons, ici, la direction, ici, je suis en mode 2. Les gaz, ici, on va changer les gaz. Moi, je mets toujours... ici, donc 100%, 0%, tac, et les volets, on va le laisser sur le P5 pour le moment milieu, mais on va régler ça par la suite après. J'étais en arrière, c'était pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Maintenant, affectation des cerveaux. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on doit mettre sur notre récepteur, les bons cerveaux. Donc là, bien évidemment, il nous choisit l'idéal, mais il est très compliqué, sauf si vous avez un testeur de cerveau avec un petit accu NIMH pour brancher, pour vérifier quel câble ça représente dans votre modèle. En l'occurrence ici, je n'ai pas ça avec moi, donc je n'arriverai pas à identifier vu qu'ils n'ont pas identifié quel est le câble et lequel. Sauf bien sûr la prise moteur, que celle-là je peux déjà l'identifier parce qu'il y a le contrôleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider en disant oui, c'est juste, c'est ça qu'on veut comme ça. Créer, activer modèle, oui. Là, on va tout laisser tel quel pour le moment. On ira dans les réglages cerveau après. Après, récepteur maintenant. Donc là, on va mettre oui. On va déjà juste brancher le. Là, je suis juste en train de brancher le contrôleur au récepteur pour avoir du courant, l'alimentation qui va venir. J'ai déjà mis le petit bind sur la voie EXT ici. Voilà. Et on est prêt. Tac, tac, tac.
je branche le lipo. Je fais oui. Je branche le petit lipo. Juste à dire, forfait. Voilà. APG récepteur, oui. Désolé pour le son, c'est peut-être un peu fort, mais voilà. Tac, je débranche tout. Il a bien été donc appairé. Je fais un peu de télémétrie, c'est normal. Voilà, donc maintenant le modèle est appairé. La première chose que je vous conseille maintenant tout de suite de faire, c'est de mettre une coupure moteur pour éviter que votre planeur puisse partir plein gaz pour X raison si vous faites une mauvaise manip, si d'un coup je venais à bouger ce switch par erreur. Donc ceci, c'est dans propriété avancée, autre option modèle, coupure moteur switch. Moi je mets, j'ai une sécurité où je dois le lever. Je mets celui-là. Tac, tac, et ok. Après vous sortez. Et après on peut voir que s'il est en bas, il y a le petit off qui vient, donc il n'y aura jamais de gaz qui va se mettre, peu importe ce que je fais. Dès à présent, je peux rebrancher mon lipo à l'intérieur du Lantus, chose que je vais faire tout de suite. Désolé pour vos oreilles. Donc là, récepteur appairé. Faut pas que je bouge. Voilà. Donc maintenant, les autres choses qu'on peut déjà faire, c'est aller identifier au moins la profondeur et direction, vu que le planeur n'est pas encore monté entièrement. Donc pour ce faire, on va dans options, modèle, affectation des cerveaux, et puis là on a l'affectation des cerveaux, où c'est que ça va. Donc les 1 les gars, c'est déjà fait. Les ailerons, on s'en occupe pas avec les volets non plus. On va chercher la profondeur et la direction sur le numéro 6. Donc je prends un câble que je branche sur le 6. Ok, fait. En respectant bien les polarités pour pas les inverser, bien évidemment. Ne se passe, donc c'est ni celui-là non plus, donc ça c'est deux, il ne faut pas utiliser. Donc là on a déjà la profondeur qui est bien mise. Et la direction qui sera sur le 7. J'ai oublié de préciser quelque chose. C'est droit bien maintenant. Vous voyez, alors vous ne voyez pas, je vais vous montrer. Quand je bouge, et bien forcément, en fait, ça bouge pour la simple et bonne raison que je n'ai pas réglé une voie pour activer désactiver le gyro. Donc c'est pas grave, on va le faire en direct. On ressort affectation, c'était là que je vous disais justement, on va mettre une voie pour le gyro. Tac, et il faut en créer une autre pour le gain. Tout d'un coup, on doit modifier le gain. Après, à vous de voir quel interrupteur vous voulez mettre. Moi, je vais y mettre je vais mettre ici. Et le gain, si je m'abuse, je mettais ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire en direct tout de suite pour pas perdre trop de temps, de toute façon j'ai déjà identifié les deux cerveaux qui sont sur le modèle, on va déjà aller régler donc le Jetty Assist. Donc menu, modèle, on va tout au bas de Devise Explorer, vous allez sur Rex 12A. Oups. Juste mettre un tout petit peu plus, voilà. Configuration,
assistant rapide. Donc ce récepteur a déjà été comment dire ça, a déjà été paramétré. C'est pour ça qu'il a directement reconnu et tout ça. Normalement, vous devez passer par cette étape-là toute première fois. Type. Donc avion suivant propriété. Propriété, c'est un planeur long, on va dire ça comme ça. Suivant. Maintenant, le sens est très 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 important dans le sens où je peux pas désalimenter ça, c'est pas grave, excuse du bruit. Dans le sens où sur votre récepteur assist, vous avez ici un assist avec la flèche. C'est celle-ci qu'on retrouve également ici. Donc c'est dans le sens, il faut vraiment bien le mettre juste comme vous allez le mettre par la suite. Donc moi en l'occurrence, je vais le brancher avec la flèche du assist contre l'avant du modèle. En l'occurrence, là il n'est pas juste, je dois lui faire une rotation. Je vais le mettre exactement comme ça par défaut. C'est-à-dire, l'assist contre l'avant. Voilà, exactement. Toujours bien contrôlé parce que si vous faites faux, ben forcément il va vous corriger pour le en vol. Ça, on n'a pas besoin. Ensuite, calibrer les ailerons, profondeur, tangage, roulis. Ça, je le refaire. Couper vers la droite, centré. Couper vers la gauche, centré. Profondeur, appuyer au milieu, c'est bon. Complètement tiré, centré. Pousser, centré. Et la direction, au milieu, vers la droite, centré. À gauche, centré. Voilà. Ça, au pire, on le refera après une fois que le modèle sera complètement monté. Et voilà ce que je vous disais avant. Le mode de vol, la voie. Donc, éditer. Ça, il faudra qu'on lui dise quelle voix on veut. Oui, ça marche pas. Ça, on ira vite paramétrer après. Appliquer et finir. Oui. Voilà. On va juste ressortir parce que je crois que j'ai oublié une étape avant. Dans le modèle affectation cerveau, ici, il fallait bien évidemment que je mette le gyro et le gain. Sinon, mon assist, il va pas pouvoir me le reconnaître. C'est pour ça que ça marchait pas, que ça marquait le petit N et A. Donc, on retourne configuration. Là, on n'a pas besoin de faire l'assistant. On peut aller directement dans assignation des voix supplémentaires. Mode de vol, on peut faire éditer et puis là vous on peut voir qu'on est en mode 3, 2 et 1. Ok, ça c'est bon. Et puis là les gains. Éditer, je vais bouger celui-là. Tac, voilà. Voilà. Tous les gains sont actifs. On est bon là-dessus. On ira un peu plus là-dessus dans le récepteur GTA6, peut-être dans une autre vidéo pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est réglé comme mode de vol. Typiquement là, ben, le mode 1, il n'y a pas d'assist, il est désactivé. Là, il y a l'assist. Et puis 2, c'est conservateur de cap. C'est pas trop ce que je vais vouloir mettre. Là, on va plutôt mettre horizon. C'est-à-dire qu'au moment où vous lâchez tout, puis vous mettez ce mode, il va se mettre automatiquement à plat. Mais on en reviendra encore un petit peu après, parce que vous pouvez régler pas mal de choses ici. Mais ça demandera une vidéo, je pense, plus spécifique là-dessus. Donc maintenant, il y a encore juste réglage cerveau du gyro, voilà. Moi, je veux qu'ici, il n'y ait rien du tout. Donc, il faut juste l'inverser. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, il y a l'amortissement.
Là, il y a la mise au neutre. Si je bouge le modèle, il va se remettre au neutre, à plat tout seul. Donc là, désactiver comme ça, ça évite les petits bruits parasites. Ok, donc maintenant, on est bon. Je m'excuse pour la vidéo qui bouge un petit peu. C'est un peu compliqué. On va faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Je voyais mieux l'écran que ça. Voilà. Maintenant, on va créer des phases de vol pour pouvoir voler le planeur en mettre toutes les ailes, donc aileron et flaps, en ce qu'on appelle un peu en thermique. Donc, ça veut dire le phase de vol thermique. Donc, ça veut dire descendre un peu le volet et les ailerons contre le bas pour gratter un peu plus, contre le haut pour passer d'une dégueulante à une autre. Par exemple, faire aussi accro, donc toutes les ailes en aileron, par exemple. Donc ici, il faut passer par l'étape phase de vol. Pour ceci, réglage, fin, phase de vol. Ici, vous inquiétez pas, il y en aura toujours une qui n'aura pas de switch. C'est normal, du moment que vous n'avez pas activé un switch ailleurs pour activer une phase de vol, c'est la phase de vol qui n'a pas de switch qui sera activée. On ne s'inquiète pas pour ça pour le moment. On va... Oui, moi il m'en faudra, il faut. Moi je mets toujours une phase de vol thermique, speed, accro, atterrissage. Donc il m'en faut 4. Donc on va partir, on va faire une atterrissage. Je les renomme plus rapidement, comme ça ira un peu plus vite. Une autre qui va être thermique. Une autre qui sera speed. Là, il n'y a aucune influence, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et une accro. Voilà, maintenant, les phases de vol, moi, je vais les mettre sur mon inter ici. Tac, 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 tac. Donc, déjà, je pars du principe que quand mon switch sera tout en bas, ça sera le thermique, le latéraux, pardon. Quand il sera au milieu, le thermique. Et quand il sera tout en haut, le speed. Ensuite, vous voyez que l'accro, je ne peux pas lui mettre d'inter. Ce n'est pas forcément ce que je veux, parce que du coup, ça va être compliqué de comment dire ça. Voilà, donc le modèle est complètement monté. Maintenant, on va régler donc les débattements, les neutres, etc., etc. Bon, jusqu'à présent, je pense que si vous avez un Jetty, vous savez déjà régler les neutres. Donc, pas besoin de vous montrer exactement comment ça marche. On va aller en vitesse, réglage des neutres, les ailerons 1. Vous pouvez mettre avoir des appareils qui mesurent les débattements. Là, je vais vraiment faire en vitesse pour que vous puissiez voir les autres paramètres. Donc là c'est bon, on va juste inverser les deux volets, voilà c'est bon. Maintenant, important, moi les volets j'utilise une, comment dire ça, les phases de vol avec le modèle mode crocodile. Tout le monde n'utilise pas ça, c'est ma façon de voler, je vole comme ça en F5J et du coup quasi tous mes planeurs sont de ce même... Même mode de fonctionnement, donc je vais essayer de vous faire la mise au point là-dessus. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, je pense. Non, je vais. Je
centre de l'intensité. Donc, par le principe maintenant qu'il faut que je désactive... je désactive l'intérieur de mes volets parce que je ne vais plus utiliser là les volets, ça sera, mes volets seront ici. J'expliquerai comment. C'est-à-dire que en haut, il n'y a aucune fonction. Plus je tire contre le bas, plus la fonction vient. Que ce soit les crocodiles pour l'atterrissage, toutes les low flaps pour un peu gratter, toutes les contre l'eau pour le speed, etc., etc. Donc maintenant, il faut aller dans le mode crocodile. Attention toujours aussi à bien garder votre phase de vol qui est donc maintenant, hop, c'est pas ça qu'il fallait faire, votre phase de vol, parce qu'on va régler chaque phase de vol. Maintenant, on a les phases de vol qui sont en géant global. Ça, c'est normal parce qu'on va, la commande est celle-ci, inversée. Je vais faire, c'était inversé. Là, on est à 0% et plus on tire, on sera à 100%. Jusque-là, c'est normal de faire en global parce que toutes les phases de vol auront le même cycle. Ensuite, on va aller... On peut désactiver. On va mettre en phase de vol. Ça vous évite de chaque phase de vol, régler ça, ça vous fait une fois pour toutes. Maintenant, on veut que quand ça, c'est en bas... On mettra un peu d'offset pour pas que, à peine qu'on bouge le manche, ça bouge. Hein. Donc une fois que c'est en bas, on veut que les ailerons ils montent. C'est l'inverse. Moi, je fais général que le cerveau il a le nœud de l'autre côté. Voilà. On veut que les volets ils descendent. Là, on est pas mal. Oui, vous voyez le principe du moment de fonctionnement, c'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer la télécommande et la radio. Dès que je tire, ça met le croco. Comme ça, je peux régler le crocodile progressivement si d'un coup je dois freiner fort ou pas fort. Je peux sortir. N'oubliez pas de régler une profondeur, une compensation à profondeur. Donc, quand on va faire ça, en général, il aura tendance, si je me trompe pas, à descendre un petit peu. Donc on va régler une profondeur quand on les tire à fond contre le bas. Je suis obligé de déplacer un petit peu. Si les bêtises contre le haut, quand on sort le crocodile, il va descendre. Donc on veut une compensation cabreur. Donc là on est bon. Maintenant, pour ceci, c'est bon. Maintenant il faut qu'on règle une autre phase de vol, donc là c'était pour l'atterrissage pour les crocodiles. Maintenant on va régler l'atterrissage du thermique. Vous voyez qu'il n'y a plus rien qui marche parce qu'on est sur une autre phase de vol. Thermique, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les flaps et dans mon cas les ailerons descendent tous du même niveau un petit peu. Donc pour ça, on met la fonction au maximum et on cherche le niveau qu'on veut que ça descende. Je vais juste commencer par les volets, c'est peut-être plus simple, comme ça on s'aligne. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup, en général c'est quelques millimètres. Hein. Voilà, on va aligner les ailerons là. Ça, c'est pas mal. Si vous voulez régler, vous avez vu là, si je bouge les inter, enfin un petit focus là-dessus, ça bouge les fonctions à gauche et à droite identiques. Si pour X raison vous aurez un aileron qui ne serait pas asymétrique et vous voulez les bouger un petit peu différentiellement, il faut juste appuyer ici où c'est marqué SAMP, ici, et de ce moment-là vous réglez soit le gauche soit le droite. En l'occurrence là il est bien réglé de base, donc je règle les deux en même temps. Donc là, on a réglé la phase de vol thermique. On règle maintenant la phase de vol speed. On veut l'inverse. Quand on tire, on veut que tout monte un petit peu. Donc on va régler le volet contre le haut un petit peu. Les ailerons.
un petit peu ce que je recherche. Donc là j'ai le speed, donc ça monte, un thermique il descend, et contre le bas, l'apéro, j'ai les crocos. Rien de plus. Si j'activerais le mode accro, aucun de mixage marche vu que c'est la phase de vol accro qu'on a définie qui passe en prioritaire par-dessus. Donc jusque là, c'est normal. Voilà. Voilà. N'oublions pas de régler encore juste les courbures de la profondeur, pour la compensation, pardon, de la profondeur. Donc pour l'atéro, on l'a fait. Pour les thermiques, quand je tire ça, il va avoir tendance à monter un petit peu. Donc on veut mettre un petit peu du piqueur, un petit peu. Et pareillement, si je mets du speed, pardon, elle aura tendance un petit peu à, je peux descendre, ou un peu comme ça. Après, c'est tous les réglages que vous devez faire au vol. Hein. Chaque phase de vol, vous les faites, et puis vous dites, ah, là, il faut que je fasse une compensation différente, etc. etc. Ceci, on est bon. Maintenant, il faut qu'on aille faire un mixage libre pour passer en accro. Donc si je mets l'accro, pour que j'ai toute l'aile en aileron. Pour que ça fasse un aileron complet. Donc mixage libre, je ne sais pas si vous avez vu, ouais, mixage libre. Depuis l'aileron vers les volets. 100%. Pardon, c'était un détail que je devais faire. Là, le switch. Il n'y a pas de switch, vu que ça sera... sur du S. Et c'est là l'erreur que j'ai fait. C'est que il aurait fallu que... on va recommencer. Quand on fait le plus... 2, le rond vert, volet, faut juste descendre les valeurs ici. Les autres phases de vol parce que voilà, voilà, ok, maintenant on est bon. Maintenant il faut régler le sens de ces cerveaux parce que là on voit que les flaps sont dans le mauvais sens. Donc voilà, on était ici en valeur 100, vous voyez que c'était inversé, les ailerons, avec les flaps, ça va pas, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc il faut simplement inverser, et puis là, on est bon. Il y a quelques petits réglages à faire dessous avec les sorties mix, 100% ou pas. Par contre, je vois qu'il y en a un qui ont buté. J'ai pas dû régler les butées. Ah, elles ont buté. Donc là, je retourne dans mon mixage libre. Pour juste régler le finon, mais on voit que c'est franchement bien.
Je crois que sur le principe, on est quasiment bon. On va encore peut-être juste brancher un M-Vario. Comme ça, on aura vraiment tout vu. Pour ce faire, je vais enlever les ailes, la profondeur. On aura juste besoin du fuselage. À tout de suite. Alors voilà, on va donc installer le petit M-Vario 2 de chez Jetty. Tout simple. Un câble qui se branche sur la connexion EXT du modèle. Je vais juste pas me tromper sur la polarité. Donc je branche juste le vario sur la prise EXT. Rachet Jetty, télémétrie, c'est vraiment hyper hyper simple. Le plus dur c'est de mettre la prise dedans. Voilà, donc la prise est mise. Je retourne là. Je vais connecter le modèle. Attention aux oreilles. Moteur sur off, très important, comme ça c'est bon. Maintenant que c'est connecté, que mon M-Vario 2 est connecté, c'est là pour le moment, on va simplement aller menu chronosenseur Vario. Ce qu'on peut faire avant, excusez-moi, c'est menu modèle, devise explorer, et puis vous pouvez voir que dessous le Vario 2 est venu. Après vous avez quelques réglages ici dedans, mais il n'y a pas grand chose, surtout les deux connecteurs qui sont à la suite. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, l'expander, les éteindre, etc., etc. Le réglage de variomètre, sensibilité, altitude arrondie, etc., etc. La compensation du M-Speed si vous en avez un. Moi j'en ai un sur le gros planeur, ça marche vraiment bien. Donc on va revenir sur le menu de base, chronosenseur, vario, là il est en off, on va le mettre en EX valeur, le switch, est-ce que vous voulez un switch pour qu'il marche ou qu'il marche pas? Moi je vais mettre le SC qui est juste ici, là il marchera pas, et activer, donc là il marche pas, là il marche, ok. Donc jusque là c'est bon. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Je sais pas pourquoi. Des fois, il faut juste revenir sur alarme, enfin l'éteindre, puis le remettre sur X2 pour voir les valeurs qui sont dessous. Effectivement, on voit que ça bouge si je fais ça. Après, il faut voir avec vous pour mettre les zones mortes et les portées en fonction des bip-bip, en fonction de vos modèles. Moi, j'ai un modèle qui marche très bien. Sur le F5J, je reprends à chaque fois ces mêmes paramètres. Et puis comme ça, je suis libéré de tout souci. Donc là maintenant, j'ai juste mis le son. Donc moi, j'ai le volume général qui est ici, par exemple, et j'ai réglé juste le volume vario ici. Voilà, comme ça permet de dissocier les deux volumes. Maintenant, ce qu'on va faire... Déjà, on va l'éteindre, comme ça on n'aura pas de son. Télémétrie affichée. Là, je suis en G. Je pourrais faire des télémétries en fonction des phases de vol. Par exemple, le thermique, je veux voir la phase, le taux de chute, le taux de montée avec des bip-bip. Et puis en phase accro, je m'en fiche par exemple d'avoir la télémétrie pour savoir si mon planeur monte ou pas. Donc là, je pourrais changer. Moi, perso, je laisse toujours tout en global parce que ça me change. C'est comme ça que je règle toujours tout. Il me faut le M-Vario 2, les mètres par seconde, taille double, oui ou non, on verra par la suite en fonction de quelle télémétrie on a sur l'écran, voir si on va rapetissir ça ou pas. Et puis je veux aussi le réelle altitude, taille double, oui. Sortir, on voit qu'ils sont déjà ici, donc à 0 mètre forcément. Et puis là, si je monte un petit peu,
0,2 mètres, 20 cm, c'est plus ou moins ce que je fais là. Je suis plutôt à 20, 18 cm. Voilà, donc il est assez précis. Maintenant, on va lui mettre encore des. Pas des messages parlés, des. Alarmes pour nous donner la. Comment dire ça? L'altitude, la voix, etc., etc. Je veux que mon bouton SA, j'ai des interrupteurs avec le retour automatique. Je veux que quand je tire contre le bas, je veux savoir l'altitude. Donc je vais chercher mon réel altitude. Je l'active. Interactivation, c'est celui-là. Je veux qu'il me parle du moment qu'il est à X est plus grand que moins 2 mètres. Attention, petite astuce, si vous faites de la pente, vous lancez en haut d'une pente et puis que vous descendez, il sera en négatif. Donc des fois, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Mon message parlé ne marche plus, quand je fais l'activation, il me donne plus l'altitude, j'aimerais bien savoir si je suis à combien je suis descendu. Ben, » effectivement, ici, il faut mettre une négation, X mètres que vous voulez, pour que vous puissiez voir le, comment dire ça, le, si vous êtes à moins 10 mètres, que le message parlé marche. Vous avez aussi vu, si, petite astuce, quand vous tournez la molette, très fréquemment, j'ai les gens, ça va long, vous voyez. Donc, si on presse sur menu, je te remonte un petit peu, ça va passer les valeurs en x1, x10 ou x100, ce qui permettrait d'aller à moins 100, vous voyez, ça bouge beaucoup plus vite. Donc, petite astuce aussi. Moi, je vais mettre à moins 20 mètres parce que j'ai estimé de ne pas aller en bas. Ensuite, on revient à nos moutons, comme on dit. Hop, répétez l'annonce. Non, annonce vocale de la valeur. Oui. On est bon. Techniquement, si je fais ça. 0 mètre. 0,1 mètre. On peut voir que c'est juste à 0 mètre. Je vais prendre le capteur pour le mettre en dessus. 0,3 mètre. Moins 0,1 mètre. Voilà, on peut voir que ça marche vraiment bien. Ensuite, vu qu'on a un assist, on peut mettre aussi d'autres choses en télémétrie. On peut surtout le mettre une application, si vous l'avez téléchargée avant via le Jetty Studio, une application qui s'appelle Horizon. Est-ce que je le cherche? Horizon. Cliquez dessus. Capteur de roulis. Donc là, il faut prendre le rôle. Capteur de tangage. Là, c'est le rôle. Ça, c'est le pitch. Capteur de vario, c'est le M vario. Capteur d'altitude, c'est le très l'altitude, je vais tout mettre. Capteur de vitesse, j'ai pas. Capteur de distance, j'ai pas. Tac. Ok. On revient en arrière. On va prendre le senseur. Télémétrie affichée. On ajoute. Là maintenant, il y a LUA qui est venu parce qu'on a installé une application. Horizon artificiel, oui. Ça nous met automatiquement sur la deuxième page parce que vous verrez la grandeur que c'est. Je passe à la deuxième page. On a un horizon artificiel. Juste voir si j'ai bien fait. Juste. Et voilà, j'ai une chance sur deux. Je me suis trompé. C'est pas grave. Application. On recommence. Donc roulis, c'était bien le rôle, et puis tangage, c'était bien le pitch. Et maintenant, on peut voir que j'ai un horizon artificiel comme en vrai. Donc, je vais tout faire un petit peu plus comme ça, vous voyez. Je tangue mon modèle, tac tac, s'il pique. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa, avec aussi le cap du moment où on a branché, dans quelle direction il est. Et bien évidemment, les kilomètres heure s'ils sont, les mètres et les mètres par seconde. Donc vraiment, vous pouvez mettre énormément de choses en télémétrie qui sont vraiment très très sympas. Et encore une fois, ça fait partie d'une vidéo un peu plus précise. Mais c'était juste pour vous montrer l'intérêt aussi avec un assist, c'est d'avoir l'horizon artificiel qui peut être sympa. Tout d'un coup, imaginez que vous avez un gros modèle ou même un petit, vous le perdez des yeux, vous le recherchez, vous ne le trouvez pas, pas de souci, vous tournez la page, vous mettez sur l'horizon artificiel, vous pouvez voir s'il monte, s'il descend, vous pouvez le mettre à plat,
faire une légère descente si vous voulez, si vous voyez qu'il est à 300 mètres, puis peut-être qu'il est passé au-dessus d'un nuage, ben, une légère descente avec un taux de chute pas trop élevé pour pas qu'il prenne trop de vitesse, qu'il flûte, pour descendre au-dessus du nuage, pour éventuellement leur prendre des yeux, parce que vous pouvez avoir divers capteurs qui pourraient vous indiquer. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour sur le réglage de ce Lotus. Maintenant, la prochaine vidéo sera le premier vol, que j'espère sera tout bientôt. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avance si vous partagez beaucoup cette vidéo et vous faites des pouces bleus si elle vous intéresse et si vous l'aimez. N'hésitez pas à mettre plein de messages en commentaire, j'essaierai de tous vous répondre. Et n'oubliez pas, si vous avez encore d'autres questions ou vous cherchez des produits pour les commander, voilà, c'est plus parlant que ça. shop.acrofight.ch. Bonne journée à tous.